Welcome to Great Chefs of the World, a culinary survey featuring premier chefs from around the globe. The first course for the menu comes from Vienne, France. Patrick Henri Roux prepares a well-composed dish of lobster medallions on stuffed rigatoni. Then we travel to London for another treatment of lobster. Tom Akins serves ravioli stuffed with apple, chicken, and lobster mousse with medallions and apple broth. Then for a sweet ending, we go to Austria. Gerhard Mandel presents a crepe stuffed with orange slices and caramelized apple, then topped with a ricotta souffle. La Pyramide restaurant in Vienne is a fabled dining destination in France. It's said that in the 50s, the late owner, Fernand Point, loomed larger than any other restaurateur in France. The Michelin two-star restaurant is now in the hands of Patrick Henri Roux. Here is salad with lobster rigatoni. The chef begins by cooking the lobster for 4 or 5 minutes in vegetable bouillon, white wine, carrots, onions, and a bouquet garni. Un bouquet garni, des oignons, pour donner du goût donc à ce bouillon. Et je vais plonger donc mon homard dedans pour la cuisson. Voilà, et on va le laisser cuire à peu près 4 à 5 minutes, suivant la grosseur. Il faut à peu près 4 minutes pour un homard à peu près de 400 grammes. Hein. Meanwhile, the stuffing for the rigatoni begins with sliced onions softened in olive oil. Voilà, donc là, on va pouvoir ajouter le bouquet garni, les gousses d'ail. Then whole garlic cloves and a bouquet garni. On va légèrement assaisonner. Alors une fois que ces oignons sont bien compotés, on va ajouter en dernier la julienne de piment doux. Julienne of bell pepper. Et les petits dés de tomate. And diced tomato. Alors il ne faudra pas avoir peur de bien... Graisser tous ces légumes avec un petit peu d'huile d'olive. This cooks slowly for 18 to 20 minutes with the chef adding olive oil along the way. Eventually, the mixture will resemble marmalade in consistency. Some curry powder is added. Pour terminer cet assaisonnement, on va ajouter une petite pointe de curry madras qui nous permettra de relever un petit peu l'ensemble de la julienne. On va préparer. After the mixture has cooled, it's stuffed into cooked rigatoni pasta. Et chaque rigatoni va être farci de cette compotée d'oignons. Alors c'est un travail de longue haleine, mais une fois que c'est prêt, c'est... Voilà. Petit travail de précision. Parce que comme nous avons un produit de luxe, il faut lui amener un joli travail dans l'assiette. Voilà, donc chaque rigatoni va être... The cooled lobster tail is sliced into medallions. Le homard. Donc en fonction de ça. The lobster is seasoned with salt, pepper, and again curry powder. Une petite pointe de nouveau de curry madras pour rappeler les différents éléments.
The dish will be served with mixed greens and herbs dressed in an olive oil and lemon juice vinaigrette and strips of a flaky pastry with layers of olive paste baked in. The sauce is reduced lobster broth and cuttlefish ink. Presentation begins. Si on pose le homard sur les rigatoni, on va pouvoir manger un peu de rigatoni, un peu de homard. Je vais mettre le homard. Donc on va avoir un plat quand même qui va être... The chef says that this is a spicy, tasty dish that can be served in the summer or the winter and represents a nice balance of texture with the rigatoni pasta and vegetable confit. Possède aussi bien des légumes verts, va-t-on dire, mais aussi des féculents avec les pâtes. Et on aura en même temps le fondant, le moelleux et le croquant. The claw meat is added to the plate and the mixed herbs and greens are dressed. Le même principe, petite vinaigrette. Je le fais dans le même assaisonnement que le homard, comme ça, ça permet d'avoir les sucs de homard qui se sont déposés sur le fond de l'assiette, qui vont donner un peu plus de goût à la salade. Alors on peut faire en fonction de cette salade, en fonction de la saison, des herbes que l'on a. Bon, il y a même des cœurs de céleri en fonction si on est en début d'hiver. Là, on a beaucoup de choix. Donc après, je vais retirer le moule. The sauce was spiked with a couple of shots of Tabasco sauce. L'assaisonnement. Et donc autour de cette petite salade, je vais planter mes croque-feuilles un peu comme un mikado. Voilà, donc on a en même temps, si vous voulez, le côté féculent de la pâte, le côté légumes verts avec les piments doux, les oignons. On a le croustillant avec la pâte feuilletée et l'olive. Et on a ce côté très fondant du homard. Donc on a un mélange de textures, de goûts. Et d'associations qui peuvent être vraiment très très intéressantes. Thank you.